Hello, good morning. La dégaine toujours aussi belle, hein? Oui, je mets mes chaussures sur mes draps parce qu'en fait mes chaussures je ne sors pas avec dehors. Donc voilà, vous inquiétez pas, c'est propre, hein? Voilà. Je suis un petit peu stressée ce matin. Voilà, je vais vous. Vous voyez, ma vidéo est en train de charger, elle est à 62% actuellement, il reste 25 minutes. Et j'ai que 7% de batterie, donc elle est en train de charger. Sauf que le bruit que vous êtes en train d'entendre de cassage, c'est Enegis ou Ene, je sais pas quoi là. Les compteurs d'électricité, les nouveaux, sont en train d'être installés. Donc logiquement, il va y avoir une belle coupure de quelques heures. Comment vous dire? Je suis sur les nerfs. J'ai peur qu'ils coupent l'électricité et que j'ai plus de batterie pour charger les 24 dernières minutes, quoi. Donc ça va pour l'instant, j'en profite, je charge. Je vais même charger mon téléphone, même s'il a 84%, la meuf elle est complètement parano. Mais ouais, non, j'ai peur. Franchement, j'ai peur. Donc, si vous voyez ce vlog, écoutez, si la vidéo d'hier n'est pas sortie à midi, je suis vraiment désolée, mais c'est vraiment un cas de force majeure, c'est pas de ma faute. Voilà. Sorry. Sinon, bah écoutez, j'attends que ça se fait parce que là, je suis vraiment pas sereine. Mais une fois que ce sera en ligne, je modifierai tout ce qui a modifié sur mon téléphone, donc ça va. Voilà, sinon programme d'aujourd'hui, ben zen, hein, cool, rien de bien spécial, on va aller prendre parce qu'il fait un joli soleil. Ça fait du bien. Voilà, bon, mais je vous fais des bisous, je vais aller déjeuner surtout. Et à tout à l'heure. Bon, on se retrouve dans la cuisine, je vais décider de faire un crumble aux pommes. Ça fait hyper longtemps que je n'en ai pas fait, c'est super super simple. Donc c'est parti, une pomme que j'ai déjà mangée. Je vais en prendre une deuxième que je vais couper en petits dés. Et je vais faire, vous savez, le crumble au-dessus, c'est hyper simple, je vous laisse en parler. J'ai découpé mes petites pommes en petits dés. Maintenant, hop, je vais laisser ça de côté et je vais m'attaquer au crumble. Pour le crumble, vous avez besoin de beurre ramolli de préférence, de cassonade et de farine. Et en fait, ça va être tout simple. Vous allez mettre votre farine, votre beurre ramolli. Et votre cassonade, et vous allez en fait mélanger avec vos doigts comme ça, de sorte à avoir, vous savez, des espèces, une espèce de sablé en fait, enfin je veux dire des petites boules qui se forment mais qui sont pas très rigides, c'est-à-dire qui se déforment très facilement. Je vous montrerai d'ailleurs après. Et après, bah, c'est tout simple, vous mettez vos pommes en dessous, vous mettez votre crumble par-dessus, vous mettez un petit peu de cannelle, vous enfournez. Et voilà! Bon, moi j'ai pas laissé mon beurre dehors parce que l'idée m'est venue juste maintenant. Je vais prendre un petit morceau et je vais le mettre au micro-ondes. Plat. Maintenant, on va mettre les pommes au fond. Ensuite, je mets mon crumble.
Voilà. Moi je viens. Je viens remettre un peu de cassonade en fait par-dessus et de la cannelle. Et voilà, c'est prêt. Bon, c'est un petit peu beaucoup cuit là sur le côté, mais c'est pas très grave. J'aime trop ça. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas mangé. Avec les pommes caramélisées juste en bas, c'est archi bon. Bon appétit. Je vais mettre Netflix. Hey. Bonjour. Ça va? Ça va. On reprend les bonnes habitudes. Avant, on les faisait ça. Les bonnes habitudes. Ouais, quand tu montais dans la voiture, on disait hey. On est où là? Je sais pas où on est, mais il y a du soleil en tout cas. Ouais. On n'est pas dans le sud. Je crois que. Hein on n'est pas dans le nord, nous. C'est dégueulasse. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors là, on parlait de chien parce qu'on a un projet d'avoir un chien quand on aura notre maison. Donc un gros chien, logique. Mais j'ai craqué sur le Spitz nain. Oh my god! C'est une poupée le truc. Vous savez les petits chiens qu'on avait quand on était petit? C'est vraiment rapide. Ouais, bon, parce qu'il a son collègue qui a crevé, donc il faut qu'on aille dépanner. Oui, donc je vous disais, c'est un Spitz nain. Je vais essayer de vous le trouver. Et en fait, j'ai craqué. C'est, vous savez, l'espèce de petit jouet chien quand qu'on voit dans toutes les foires et tout, qui avance, qui. Eh ben j'aurai ça. Voilà, c'est une petite poupée le truc. On était en train de regarder les prix du coup. Bah tiens, j'en ai trouvé un, je vais vous le montrer. Bien sûr, je vais pas l'acheter du tout maintenant, hein, mais c'est juste, c'est un projet. Parce que moi, franchement, j'ai craqué. C'est pas une petite boule d'amour, s'il vous plaît. Oh, il est magnifique. Et c'est tout petit, genre c'est rikiki. C'est tout petit petit. C'est magnifique et je pense que voilà. J'étais en train de, je sais, mettre des... Mettre un petit peu toutes les chances de mon côté en lui disant oui, et du coup là j'ai l'impression qu'il est, il est un peu amadoué quand je lui ai montré les photos. C'est trop beau et surtout quand ils aboient, c'est. Oh, tu craques. Donc voilà. Bon, ben lui est toujours attaché à son Kratos, ouais. Ce qui veut un gros chien malinois qui va appeler Kratos. Voilà, voilà. Kratos qui sera capable de m'arracher le visage. Ah oui, et on veut aussi le chat Savannah. Bien sûr, c'est le chat le plus, comment dire, majestueux du monde. Le chat le plus grand aussi du monde, oh, excusez-moi, il y a du soleil. Genre le truc, il fait la taille d'un chien. Ceci est un chat. Vous voyez la taille? Il est énorme et il marche genre avec, vous savez, genre c'est une princesse le chat. Voilà, c'est le plus élégant des chats en fait. Savannah, vous voyez? Tu sors en laisse avec ton chat. Normal. J'adore. Bon, enfin bon, je vous laisse. C'est bien. À la tomate. Ouais, je sais pas, elles ont l'air très bien. On est passé à Stokomani. Là-bas plutôt, ouais. Et on a pris ça. Ça a l'air bon. C'est des. Alors ouais, moi j'aime bien. J'aime bien. Oh, on sent vraiment le basilic et la tomate. Ouais. C'est archi beau. Je vais montrer ce que j'ai pris pour manger. Je me suis dit. Pour un soir. Hein. Ouais. Elle est demi quand même. Voilà. Des soupes en fait pour le soir. Parce que le soir je suis fatiguée. Et celle-là. J'aime bien. Ça c'est trop bon. Après celle-là. Hop. Après. Attends, elle m'a pas dit à quoi c'était. Donc celle-là, elle était à potiron crème fraîche. Voilà, courgette. Courgette vache qui rit. Celle-là, elle a l'air trop bonne. Regardez. Et des chips de lin. Mais et vous savez, tout ça, là, ce qu'on a pris, ça nous a coûté 8 euros. 8 euros. Stokomani, c'est la vie. On est devant l'été. C'est lequel alors? Je vois pas. Bon, lui, c'est celui que je rencontrais à Flunch. Mais il y a que ça en fait de la marque Carrefour. Mais c'est pas celui-là que j'avais trouvé moi. Ah, si, c'est lui. C'est lui? Montre, ouais. C'est lui. Comment il s'appelle?
du focus. Il a pas focus, je vais monter là. Hop. Ouais, c'est exactement ça. Ça coûte 90 centimes. Ouais, ça sent les Hollywood chewing-gum. En fait, si vous kiffez les chewing-gum Hollywood, je vous conseille vraiment ça. C'est archi bon. Ouais. Maintenant, on va chercher les croutons. Je pense que c'est là. Et moi, je vais prendre de la tapenade, je crois. Ah, c'est trop bon. Ouais, des croutons. Avec des petits pains comme ouais, ça. Je vais en prendre. Ouais. C'est pas des petits trucs comme ça? Non, je sais plus. Mais bref, on va ouais. Trouver, on va chercher. C'est bon, ouais. À tout à l'heure. Hello, je vous retrouve vachement plus tard. En fait, j'étais grave occupée. Voilà, une séance de laser. Ça prend un temps fou, mais un temps fou parce que l'embout il est minuscule. Enfin bon, maintenant c'est fini. D'ailleurs, il est là, je vais vous le montrer. J'espère vraiment que ça marche. De toute manière, je vous en donnerai des nouvelles si ça marche ou pas. Donc, a priori, on devrait avoir 99% de poils en moins, donc ils ne poussent plus. Enfin bon, journée assez longue quand même. Enfin, fin de journée assez longue. J'ai toujours pas mangé, je vais me faire une soupe. Je vais vous montrer laquelle. Donc je vais faire une soupe Royco. Voilà, avec des petits croutons. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai racheté des petits croutons pour les soupes que j'ai prises. J'en ai pris à l'ail. Et nature. Voilà. Et voilà. Bon, ben, je vous fais d'énormes bisous. Puis je vous retrouve demain pour un nouveau vlog.